Shalom, chers amis, bonjour. La Yeshiva Rabbi Gabriel se propose de vous aider à rechercher votre Khatan ou votre Kala. Pour cela, vous pouvez contacter en France Madame Devora Selem au 06 26 80 81 08 ou au 01 43 48 78 54. Précisez votre nom, votre âge, votre numéro de téléphone sur la boîte vocale et quel niveau de religiosité vous avez. Et on vous recontactera au plus vite. Bedrat Hashem, Be'atzlacha et de bonnes nouvelles. Binyan Adead. Vous pouvez dédier les cours du Rav Barkatz au mérite pour la guérison, pour le mariage, pour la réussite ou tout simplement pour l'élévation de l'âme d'un proche. En nous contactant au numéro qui apparaît devant vous maintenant et nous ferons le nécessaire pour les cours prochains. A bientôt, de bonnes nouvelles et Batzlacha. Mon prix le mien. Mais à la partie qui s'appelle Tefila les David. Voilà, vous y êtes. Tefila les David, c'est un mizmor. Le mizmor 86. D'accord. Pévav, qu'on dit tous les jours, quand il n'y a pas de. Quand il y a le jour, quand on dit le Tachanoun. Pourquoi ? Parce que c'est une tfila un peu. C'est une tfila de faute. Alors, donc, on en parle quand on est. Un jour, on confesse les fautes. Tefila, les David. Grande prière. De David. En vérité, on aurait dû dire Tfila, mais David. Et on dit toujours Tfila, les David, comme si c'était, bien que c'est lui qui l'ait écrite, comme s'il écrivait à lui-même. Tfila, les David. Tfila pour David. Ate Hashem, Oznecha, Aneni. Ate, ça veut dire tendre. On est à tot, ça veut dire pencher. Ate Hashem Oznecha, penche, Seigneur, ton oreille. Aneni, et réponds-moi. D'accord ? Ki ani vevionani, parce que pauvre et miséreux je suis. D'accord ? Comme ça dit le roi David. Shamran nafshi. Kichasidani. Protège mon âme parce que je suis un chassid. Et alors, parce qu'il est chassid, il a besoin de protection. Oui, parce que quelqu'un qui est méchant, bah, il réussit. Donc il n'a pas besoin de protéger. Donc alors, celui qui est chassid, comme il est chassid, donc tout le monde lui saute dessus. Donc il a besoin de protection. Vous avez compris ? Les gens ils lisent ça, ils font pas attention. Protège mon âme, je suis un chassid. Au contraire, si je suis un chassid, je risque rien. Justement, parce que comme tu es un chassid, tu essayes de faire bien les choses, donc automatiquement, tout le monde te saute dessus. Dès que tu es trop gentil, trop bien, c'est pas bien. Osha Avdecha, sauve ton serviteur. Ata Elokai. Toi, mon Dieu. Rends sauf ton serviteur, ton mon Dieu. Abote Arelecha qui n'a confiance qu'en toi. Roneni Hashem, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Qui est Lecha Ekra, parce que. Qui est Lecha Ekra Kolayom, parce que je t'appelle tous les jours. Kolayom, toute la journée. Pas Kolium, Kolhayom. Toute la journée, je t'appelle. Donc, tu dois me rendre grâce. D'accord ? Sameach nefesh avdecha. Réjouis l'âme de ton serviteur. Ki elecha Hashem nafshi esa. Parce que vers toi, mon âme s'élève. Qui ata Hashem Tov Vesalach, parce que tu es un Dieu bon et qui pardonne, Afresed, et qui est
qui a beaucoup de gentillesse. Le Kol Korecha pour tous les gens qui t'appellent. D'accord ? Pour les gens qui ne t'appellent pas, tu n'as que du simple chesed. Mais quelqu'un qui t'appelle, alors tu as du raf chesed, tu as un grand chesed. D'accord ? C'est comme on dit toujours dans la chassidoute, que quand il y a un réveil d'en bas, alors il y a un réveil d'en haut. Donc il y a un réveil d'en haut, même si on ne fait rien. Donc Dieu est gentil avec tout le monde, même si personne ne l'appelle. Et si quelqu'un l'appelle, il est encore plus gentil. C'est pour ça qu'il dit « Vera Fresed », un grand Fresed pour ceux qui t'appellent. C'est quoi « Raf Fresed » ? C'est connu que avant Matan Torah, il y avait 26 générations depuis Adam Arishon jusqu'au Matan Torah. Il y a 26 générations qui correspondent aux 26 versets du Mizmor. Odou Lachem Kitov, Ki Leolam Chasdo. 26 fois, on répète, Ki Leolam Chasdo. D'accord ? Et c'est pour signifier quoi ? Qu'avant le matin de Torah, puisqu'il n'y avait pas de Torah, donc Dieu ne demandait rien. Dieu ne demandait pas de mitzvot, pas de soumission, pas de Torah. Donc il donnait du bien gratuitement. Ça s'appelait Rav Chesed. D'accord ? Et en plus, avant le déluge, il n'y avait même pas de froid, il faisait toujours beau, les fruits étaient gros, tout était facile sans rien faire. Ça, c'était avant le déluge. Après le déluge, ça s'est un peu retréci, mais jusqu'au matin de Torah, on voit bien que les êtres humains, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ils étaient tranquilles, ils étaient heureux. D'accord ? Donc ça s'appelle Rav Chesed. Après le Matan Torah, tout est changé. Si tu fais, tu reçois. Si tu fais le contraire, tu reçois le contraire. Donc il y a c'est pour ça qu'on dit que la Torah a été donnée mipi agvura, de la bouche de la rigueur. C'est-à-dire à partir de Matan Torah, tout marche d'après la rigueur, pas d'après la bonté gratuite. D'accord ? Donc il y a ce qu'on appelle la loi. D'accord ? La loi avec les punitions, les récompenses, etc., etc. Donc maintenant, il te dit, donc si les êtres humains ne demandent rien, alors Dieu est bon avec eux, sans trop chercher, quoi. Heureusement. Maintenant, si quelqu'un l'appelle, alors il est encore plus gentil. Ça s'appelle rafraîchir. Il peut te donner une sorte de bonté qu'il ne donnait qu'avant le matin de Torah. Donc c'est un degré de comment on appelle ça, de shefa, d'abondance, qui ne dépend pas du mérite, mais qui dépend de la demande. Il suffit de demander. C'est pour ça qu'il dit Raf Chesed le Kol Korecha. Tu es très gentil pour ceux qui t'appellent, ceux qui t'invoquent. A Azina Hashem Tefilati. Azina, ça vient de Ozen, l'oreille. Alors, ça veut dire écoute. Écoute avec ton oreille. Azine, Azine, ça veut dire écouter. Attentivement, pas simplement entendre les mots. Écoute attentivement de filati ma prière, veakshiva, et concentre-toi, prends les akshiv, c'est-à-dire concentre-toi sur ce que je te dis. Les akshiv, ça veut dire prends les choses mot à mot. D'accord ? Si quelqu'un te dit oui, 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 j'ai compris, ça veut dire qu'il ne fait pas attention à chaque détail. Alors que les akshiv, ça veut dire faire attention à chaque demande. Bekol taranunotai,
Et donc, fais attention à chaque demande de ma voix qui est remplie de supplications. D'accord ? Mais c'est pour ça qu'on dit ça le jour où on dit Tachanoun. Donc, s'il n'y a pas de Tachanoun, soit c'est la veille, c'est la fête, soit il y a une brit mila dans l'assistance, ou il y a un marié qui est là. D'accord ? Ou chez les chassidim, une fête de Géoula de Rabbi. Donc on ne fait pas de Tachanoun, donc on ne dit pas ce mizmor. Beyom Tzarati, le jour de mon malheur, Ekraeka, je t'appellerai. D'accord ? Qui t'a néni parce que tu me répondras. Parce que vous voyez bien qu'avant il a dit, écoute ma tefila parce que tu es gentil avec ceux qui t'appellent. Alors, il dit, qu'est-ce que ça change ? Que tu l'appelles Stam et que tu l'appelles quand il y a un malheur. Il dit, parce que quand tu l'appelles Stam, d'accord ? Il faut que tu sois sérieux pour qu'il te réponde. Mais si tu es dans un malheur, alors il t'appelle plus facilement. Il te répond plus facilement. Ben évidemment, il ne faut pas attendre d'être dans le malheur pour demander. Et il te dit comme, je sais que quand quelqu'un est dans une tsara, dans une étroitesse, je sais que tu me réponds plus facilement. D'accord ? Pour ça que des fois, il arrive des malheurs à des gens pour déclencher sur eux la miséricorde. Pour qu'ils se réveillent à la Torah. Pardon ? Pour qu'ils fassent des choses. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit pour que le fait qu'ils sont dans une tsara... Oui, ça va les réveiller. Non, même ça ne les réveille pas. Ça déclenche sur eux une miséricorde d'en haut. Mais pour ça, il faut qu'ils prient. Il faut qu'ils prient, parce qu'il faut qu'ils parlent. Non, des fois, la tsara, elle fait que... la tsara, elle provoque une oreille en haut. Il ne faut pas demander, mais... C'est des fois la compensation que les gens ils ont quand ils ont un problème. C'est qu'ils sont... on déclenche sur eux la miséricorde. Donc, soit on leur enlève un décret, soit on leur amène un avantage qu'ils n'auraient pas eu, etc., etc. D'accord ? Bon, évidemment, on n'est pas le bon Dieu pour savoir qui reçoit quoi. Mais disons que c'est un clan. Que les gens qui ont des tsarotes, en général, ils déclenchent sur eux la miséricorde par le fait qu'ils ont, écopé ça dans la figure, quoi. D'accord ? Là, il te dit ça clairement, il te dit, le jour de mon malheur, comme ça, il dit, Beyon Tsarati, et Kraeka, je t'appellerai. Quitte à Anneli, parce que je sais que tu me répondras. Étant donné que la Tsara fait qu'il y a une oreille plus attentive de Dieu, donc c'est un moment propice pour être répondu. C'est pour ça que les jours de jeûne, comme ça, rappellent un malheur, la destruction du temple, ou un pogrom, ou quelque chose de pas bien, alors automatiquement, ça, les chachamim, ils ont fixé des slichot, des tfilot en plus, puisqu'on est censé être plus facilement répondu quand il y a une tsara. Comme on voit en Égypte, d'accord ? En Égypte, ils n'avaient pas de mérite, puisqu'ils ne faisaient rien. Il n'y avait pas de Torah encore pour faire. Donc, qu'est-ce qui a provoqué le déclenchement de la Géoula ? C'est parce qu'ils ont, souffert. La souffrance c'était vraiment esclave, a donné un push à la sortie d'Égypte. D'accord ? Alors, la Kabbalah et la Chassidoute, elles disent, oui, d'accord, c'est vrai que les malheurs de la Galoute active la Géoula, mais ça ne suffit pas. Il y a un travail à faire. Un travail à faire de faire du bien, quoi, de faire de mitzvot.
Donc, c'est-à-dire que la Géoula vient parce qu'il y a des malheurs et parce qu'il y a aussi des bons points. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux travailler sur les bons points que d'attendre qu'il y ait plus de malheurs pour activer la Géoula. D'accord ? Mais quand les gens, c'est ce que je vous dis tout le temps, il y a des enterrements, il y a toujours des gens qui disent « Ah, dis stop à notre sarote et envoie-nous la Géoula. » D'accord, c'est vrai que les tsarot avancent la Géoula, mais il n'y a pas que ça. Il y a un point fondamental que la Kabbalah et la Chassidut soulèvent. C'est le travail de rajouter dans les mitzvot. Ce qu'on appelle avodat abirurim, rajouter du bien. Et ça, c'est beaucoup plus efficace encore que les tsarot pour faire avancer pour amener une solution à un problème. Mais là, le roi David se contente de te dire que, étant donné que je suis dans le malheur, je vais t'appeler, donc je suis sûr que tu me répondras. Quitte à Anéni, parce qu'il va me répondre. En kamocha ba Elohim Hashem, il n'y a pas comme toi, ba Elohim, parmi tous les dieux, c'est-à-dire parmi toutes les forces de la nature. Elohim, c'est Dieu qui rentre dans la nature, et qui n'y a pas comme toi. Mais ein que ma'asecha, il n'y a pas comme tes actions à toi. D'accord ? Ça veut dire que quand c'est Dieu qui intervient par un S, c'est toujours plus mieux fait que par un médecin ou par un plombier. D'accord ? Quand il y a un phénomène incompréhensible. De NES, d'accord ? Bien sûr. C'est toujours mieux réglé que si c'était par la nature. D'accord ? C'est pour ça qu'on dit, il n'y a pas comme tes actions à toi. Parce que tes actions à toi, elles sont parfaites. Parce que c'est connu que un être humain, quand il fait quelque chose de bien, il y a toujours du mal avec. Il n'y a jamais rien de bien sans mal. C'est comme ça que le monde est fait. Depuis Adam Arishon, il n'y a jamais de bien sans mal. D'accord ? Donc automatiquement, un médecin, par exemple, va vous dire, voilà, ça va vous soigner ça, mais ça va vous déclencher ça. Vous risquez ça, d'avoir ce qu'ils appellent des conséquences secondaires, des tofaot levai, des choses qui peuvent accompagner ce que je vais vous donner. D'accord ? Comme le cardiaque, il prend un truc, on dit ça vous fluidifie le sang. Oui, mais ça va vous donner du cholestérol. Et ça va vous faire ci. Donc il n'y a jamais rien d'humain qui est parfait. D'accord ? Quand vous appelez un plombier, non seulement ça vous coûte 800 shekels, mais en plus. Vous vous rendez compte que vous avez encore d'autres tuyaux pourris ailleurs, etc. Donc, il y a toujours du bien, hop, et en même temps, il y a du mal avec. Comme ça que c'est. Alors que quand c'est Dieu qui fait, il ne peut pas y avoir de mal. C'est tout bien, sur tous les côtés. Sur tous les côtés de la pièce. Kol goyim asher asita, tous les peuples que tu as fait, yavou, ils vont venir. Oui, je t'achavou, ils vont se prosterner, le fanecha devant toi, Hachem. Vichatou lishmecha, ils vont glorifier ton nom. D'accord ? Kigadolata, parce que tu es grand. Grand, c'est-à-dire que tu fais des choses qui sont impressionnantes. C'est pour ça que ça s'appelle Kigadolata. Les Israéliens, ils utilisent beaucoup ce Agadolata. Ah, c'est grand, quoi. Ah oui, Atagadol. Atagadol. D'accord ? T'es grand, ça veut dire que tu es impressionnant, quoi. Ok ? C'est donc, même dans l'hébreu. Moderne. Comment on dit ça ? Populaire, slang. Quoi. Voilà. Le slang, voilà. Populaire. C'est Moussagim, ces notions de la tradition, elles sont entrées. Kigadolata, tu es grand.
vais hausser les flaottes et tu fais des choses extraordinaires. Ataïlokim levadecha, et il n'y a que toi qui fais ça. D'accord ? Il n'y a que toi qui es capable de ça. Oreni Hashem darkecha, montre-moi le chemin. Oreni, c'est la chaune Oraa, comme un moré, un professeur. Montre-moi le chemin darkecha pour rejoindre ta route. Alech mamitecha, pour que je puisse aller dans l'authenticité. Comme on l'a dit plusieurs fois, que la mesure de vérité, c'est la chose la plus dure à acquérir. Parce qu'on dit que même Moshe Rabbeinu, quand on lui a montré, quand Dieu lui a montré la Midat HaEmet, quand il a pardonné le veau d'or, quand il lui a montré la Midat HaEmet, il s'est évanoui. Enfin, il s'est caché comme ça, il a eu peur de voir ça. Alors que lui était le principe même du Emet, puisqu'il était dans la Torah. Il n'était que Torah, donc il aurait dû accepter ça facilement. Il dit non, parce que le Emet, c'est quelque chose qui est tellement une ligne raide, du funambulisme, que quand tu vois la vraie, la vérité, tu risques de tomber à la renverse. Comme les grands tzadikim qui ont toujours compris que... Mais comme il y a un chassid un jour qui était venu voir son rabbi pour lui dire « Je me rends compte que je mens, quoi, que je mens à moi-même, je mens à tout le monde. » Et il s'est mis à pleurer. Et il dit « Pourquoi tu pleures ?» Il dit « Parce que même quand je dis ça, je mens encore plus. Je me rends compte que je mens même quand je dis ça. » Parce que je... Même quand je dis ça, je ne suis pas sincère. C'est très dur d'être sincère, d'accord ? On est tout le temps un peu menteur. Donc c'est ce qui te dit, montre-moi ta vérité. Yached levavi, unifie mon cœur. Voilà, yached levavi, unifie mon cœur. Le cœur, il a deux ventricules, d'accord ? Le ventricule droit, où il y a l'âme divine, et le ventricule gauche, où il y a l'âme animale. Donc l'homme, l'individu, il a deux parties dans le cœur. Et les deux parties du cœur sont en général en contradiction. Ce que l'âme divine veut, l'âme animale ne le veut pas, et l'inverse. D'accord ? Donc, alors tu dois arriver à ce que tu fais... À cause de ton bon côté, même ton mauvais côté est capable de l'aimer aussi. Quand tu donnes la tzedaka, d'accord ? La tzedaka, donc ton bon côté, il est content de la tzedaka. Mais ton mauvais côté, il dit, ouais, je perds de l'argent quand même. Je suis en train de perdre de l'argent en ce moment, à cet instant où je donne la tzedaka. Alors il dit, non, je veux unifier les deux côtés. C'est-à-dire qu'en même temps que je sois heureux de faire une mitzvah, parce que c'est l'âme divine qui le veut. Et en même temps, comment l'âme animale, elles sont contentes de ça aussi. Pleinement. Qu'elles disent pas, ah, c'est sans shekel, j'aurais quand même pu me jeter avec du steak avec. Au lieu de lui donner à ce pauvre. D'accord ? Donc chaque fois qu'on fait une bonne chose, on a toujours de l'autre côté le sentiment que qu'on est un peu pigeon, quoi, sur le... Tu viens à un shiur de Torah, tu dis, ah, au même moment, j'aurais peut-être pu aller au restaurant manger une pizza chaude. Donc tu as l'impression d'avoir fait un sacrifice quelque part. Donc, c'est pas qu'on te dit, unifie ton cœur. Je veux que mon cœur soit unifié. C'est-à-dire que tout chez moi est d'accord. D'accord ? Yached levavi. Unifie mon cœur, l'Eira, Shmecha, pour craindre ton nom. D'accord ? Pourquoi la crainte ? Parce qu'en fait, quand il s'agit de mitzvot,
d'amour, c'est plus facile. C'est plus facile de que l'âme animale elle soit d'accord. Si vous donnez une zdaka à quelqu'un, comme vous êtes content, même dans votre âme animale, que le pauvre soit content. Donc le fait d'avoir fait quelque chose par amour, ou une prière, vous avez prié, vous avez fait une mitzvah positive, tout ce qui vient par amour, alors c'est sûr que l'âme animale, elle peut dire, bon ben, je suis content, j'ai fait du bien à quelqu'un, ou j'ai fait du bien au bon Dieu, j'ai allumé les bougies de Shabbat, j'ai fait quelque chose de positif, d'amour. Mais la crainte, ça veut dire se retenir, s'empêcher de. Donc quand on s'empêche de, c'est sûr que l'âme animale n'aime pas ça. On voit qu'on va rentrer dans le mois d'Adar, et on commence avec les pétards. On dit que chaque fois qu'on s'empêche de faire une avéra, ouais. ça crée quelque chose dans le ciel, comme un ange ou comme un. Absolument. Comme une mitzvah positive. D'accord. Qu'on avait fait alors qu'on n'a rien fait. Mais malgré tout, quand on s'empêche de faire par crainte quelque chose, de l'autre, le côté négatif de chez nous, il dit ah, mais j'ai quand même, je me suis quand même privé de quelque chose. Ah oui. C'est beau, c'est grand, mais il n'y a pas une union du cœur. Tu lui dis, bah, j'ai pas mangé ça parce que c'était pas cachère. Il est content parce qu'il s'est battu contre son yetzer hara, il a pas mangé. Et dans le côté, il regrette quand même parce qu'il aurait bien voulu avoir le goût de ce qu'il y avait. C'était quoi ce plat là que j'ai pas voulu manger. Donc il n'a pas une fusion du cœur au point d'être content en même temps de faire un mitzvah et en même temps de se retenir, de ne pas faire la avéra. Il a dit, ah, quand même dans la avéra, il y avait un goût qu'on ne m'a pas donné. Donc c'est pour ça qu'il te dit, unifie mon cœur pour la crainte. C'est plus dur d'unifier le cœur dans la crainte que d'unifier le cœur dans l'amour. D'accord ? Odecha Hashem Elokai, Odecha Hashem Elokai, je te remercierai. D'accord ? C'est pas la chaîne Oda avec un He, c'est Odecha avec un Aleph. Je te remercierai, mon Dieu, Bechol Levavi, de mes deux cœurs. Il n'a pas écrit Bechol Libi, il a écrit Bechol Levavi, de tous mes deux cœurs. Le cœur du positif et du négatif. Voilà, toujours. Les deux ventricules. Vachabda Shimcha Leolam, et je te louerai, je louerai ton nom éternellement. Qui Chasdecha Gadolalai, parce que ta bonté est géante sur moi. Vitzalta Nafshi, et tu as sauvé mon âme. Mishéol Tartia, d'un niveau de l'enfer qui s'appelle Sheol. Sheol Tartia. D'accord ? Comme on l'a vu déjà plusieurs fois, comme dans le Gan Eden, il y a sept grands niveaux. Uh-huh. D'accord ? Dans l'enfer, il y a aussi sept descentes. Et un des niveaux de l'enfer s'appelle le Sheol. Sheol, ça veut dire, comme on l'a déjà vu, poser la question, l'ishol. Et pourquoi on l'appelle poser la question ? Parce que c'est une situation très désagréable que la personne se trouve dans une salle et il demande, il parle, il veut poser des questions, on lui répond pas. Il est tout seul au milieu d'un ensemble de gens. Alors, il pose quelque chose, il demande quelque chose et on ne lui répond pas. Il
a l'impression d'être dans une cage en verre. D'accord ? On ne lui répond pas, et c'est ça, et c'est un niveau de, qui s'appelle l'enfer, le Sheol. Ça correspond à quoi ? Ben, à toutes les fois où il aurait dû faire une mitzvah et que. Il n'a pas répondu. Alors on lui montre la même chose. D'accord ? Il a fait semblant de ne pas avoir quelqu'un pour ne pas lui dire bonjour, il a fait semblant de ne pas avoir un pauvre pour ne pas lui donner la tzedaka, ou il a fait semblant de ne pas aller à une mitzvah. Il a fait le sourd, comme on dit. Donc tout ça, c'est. Ça veut dire qu'il y avait des situations qu'il avait interrogées, qu'il avait interpellées, et lui, il a fait semblant de ne pas entendre. Alors on le met dans la même situation de l'autre côté. On lui résume toute sa vie dans la salle. Quoi. Et on le remet dans les situations où chaque fois que lui, on lui a demandé, il a dit non. Alors lui aussi, on le remet là-dedans. Où il demande et on lui dit non. Enfin, on ne lui répond pas. C'est pire. Si on lui disait non, il saurait à quoi s'en tenir. C'est qu'on le regarde comme ça, on ne lui répond pas. D'accord ? Pardon ? Tartia. Dans le. Ouais. Comme on dit, Sheol Tartit. Là, c'est Sheol Tartia. Le Sheol inférieur. L'enfer, quoi. C'est un degré d'enfer, ouais. Bon, évidemment, quelqu'un, je vous rassure tout de suite, il peut avoir toutes les sortes d'enfer qui soient, il n'y a pas que. Il n'y a pas que celui-là. Il peut être candidat à tous les enfers. Il y a plusieurs tartiotes d'enfer. Il y a plusieurs sortes d'enfer. L'enfer de glace, l'enfer de l'enfer chaud. Kafakele. Non, ça c'est avant l'enfer. Ah bon ? Kafakele là. Hein ? C'est pas plus grave. Non, c'est avant, c'est l'apéritif. Oh, il va voir. Oh, ouais, c'est justement. L'apéritif avant. Ah ouais. Donc je vous rassure tout de suite. Ne croyez pas que les gens qui ont le Sheol, ils n'ont pas autre chose. Ils peuvent avoir les sept sortes d'enfer. Il y en a sept ? Bah oui, alors que ça peut être un jour, un an, mille ans. Ça dépend du degré de gravité de ce que la personne a vécu sur Terre. Ah, on est mal parlé. L'intensité de sa situation quand il a vécu. D'accord ? Bon, l'enfer c'est bien parce que ça permet en général d'aller au Gan Eden après, quoi. Donc c'est comme le dentiste, quoi. Vous hurlez parce qu'après il va vous arranger la dent. C'est pas enfer et puis il n'y a rien derrière. Il y a l'enfer pour aller au Gan Eden. Qui quelquefois est incontournable. D'accord ? Malheureusement. Ouais, on ne peut pas arriver comme ça au Gan Eden si on n'est pas passé par ces degrés-là. Donc le Sheol, c'est très désagréable parce que justement, c'est une situation de feedback de ce qu'on a fait sur Terre. Quand tu as dit non, quand tu as fait la sourde oreille devant une mitzvah, on te fait aussi la sourde oreille, tu demandes quelque chose, on ne te répond pas. D'accord ? Non, c'est pour ça qu'il faut faire tchouva. Il faut pas dire bon, ben, ce qui est passé est passé. Non, tant que tu es vivant, tu peux, au moins dans la pensée, décider de changer. Même si tu n'as pas l'occasion de changer dans la réalité, d'accord ? Par exemple, il y avait quelqu'un qui avait besoin de toi, tu veux me casser la tête, j'ai pas de temps avec cette personne, je file à l'anglaise. Alors, tu peux regretter et dire, voilà, maintenant je sais que c'est. Je vais avoir le chiot à cause de ça maintenant. Parce que on m'a demandé quelque chose, j'ai fait semblant de pas comprendre, de pas être là. Je vais m'attraper le chiot. D'accord ? Alors, tu fais du chouva dans l'esprit, tu dis, bon, ben, je regrette vraiment si ça se reproduisait, c'est ça qu'il faut faire ? Je changerai. Alors, si tu es méritant. On te remet dans la même situation. Oh, et si tu es bête, tu dis encore celui-là qui m'emmerde.
t'as compris l'équation de travers, quoi, ça veut dire. Alors qu'on t'avait reposé la même problématique pour que tu dises « Ah, pour m'éviter le chérol, on me l'a remis sur le chemin. » Évidemment, tu n'es pas obligé, par contre, s'il te demande 3000 shekels, de lui dire « Bon, bah, écoute, et voilà, 3000 shekels, je vais être à la rue, mais je vous les donne. » Tu peux t'arranger pour ne pas lui donner, si tu ne les as pas. Mais au moins, ne fuis pas le problème, quoi. Ne fuis pas le problème. Mais c'est même pas l'argent, c'est pour sauver une vie ou n'importe quoi. Des fois, vous sauvez une vie quand vous dites bonjour. Quelqu'un, il avait besoin que vous lui disiez bonjour. Et puis, on n'a pas le temps. Vous n'avez pas eu le temps. Il va dire, oh là là, dans l'escalier, j'ai pas que ça à faire maintenant, je vais rater mon rendez-vous. Pour la maquiller, oui, c'est... D'accord, donc c'est pour ça qu'on te dit, ça s'appelle Sheol. Le fait de demander qu'on ne te réponde pas. Sheol Tartia. D'accord. Elohim. Bon, tout ça c'est écrit dans le Zohar et dans les Midrashim et dans les livres. Alors, les gens, quand ils ont peur d'affronter ces livres, ces bouquins, ils disent oh là là, j'ai pas envie de connaître ça. Alors, il vaut mieux connaître. On te met pas des. Comment on appelle ça? Des situations pour que tu fasses semblant, mais des situations pour que tu les règles. D'accord? Elohim, Zedim Kamualai. Seigneur, Zedim Kamualai, des Zedim, c'est-à-dire des ennemis, dans le sens de choses qui veulent te faire du mal. Avec préméditation, pas involontairement, parce qu'il y a des gens qui te font du mal involontairement. Ils sont bêtes, ou ils sont naïfs, ou ils se trompent, quoi. D'accord ? Il y a des gens qui font du mal, ou des événements qui font du mal, mais hésitent, c'est-à-dire avec préméditation, c'est-à-dire dans le but uniquement de faire du mal. Donc il te dit, Elohim Zedim Kamualai, ces gens-là se sont Kamuala, ils se sont levés sur moi. Vadat Aritzim Bikshu Nafshi. Et un groupe de Aritzim, de forts, Bikshu Nafshi, ont voulu mon âme. D'accord. Velo Samuchal Elekta. Vadat Aritzim. Un groupe de gens forts. D'accord. Velo samoucha l'enekdam. Et tu n'as mis personne en face d'eux. D'accord. Ve'ata Hashem el rachum vechanun. Et toi, Seigneur, quel rachum vechanun? Tu es un Dieu miséricordieux et qui fait des bontés gratuites. Et Rachapaim, tu es longanime, tu mets du temps avant de t'énerver. Mais Rafreset Vehemet, et tu es, comme on l'a vu tout à l'heure, Rafreset, tu peux arriver à faire du bien beaucoup plus comme il était avant le Matan Torah, gratuit, du bien. Démesuré par rapport à ce que je fais de bien. C'est Rafreset. Vehemet. Ron. Et un bien qui soit authentique. D'accord. Parce que des fois, tu fais du bien à quelqu'un, mais c'est pas du bien. Comme il dit le Auerbach, si tu proposes un rogelech à un diabétique, non seulement tu ne fais pas une mitzvah, mais tu lui fais une avéra, parce que tu le tentes de manger un truc au sucre, alors que c'est une interdiction pour lui. Et en plus, s'il fait la bracha, il fait le bracha pour rien. Quelqu'un qui n'a pas le droit. Bah oui, quelqu'un qui n'a pas le droit au sucre, et tu lui proposes du sucre. Tu lui dis, allez, laisse-la tenter, c'est dommage, c'est une fois de temps en temps, ça ne fait pas de mal.
peut-être que oui, peut-être c'est grave. Donc c'est pas une bonté qui est émette, c'est une bonté qui est folle, parce qu'elle n'est pas du tout dans le bien de la personne. D'accord ? Comme les parents, quand les enfants les saoulent, alors, tiens, après, allez, prends son chéquelé, et va-t'en, je ne veux pas te voir. Eh oui, d'accord, mais si tu n'avais pas donné son chéquelé, il n'aurait pas fait le zouave avec. Donc, c'était pas sûr que c'était bien de lui. C'était une bonté émettre, une bonté. Il y a beaucoup de parents comme ça. Authentique. Qui se débarrassent des enfants avec l'argent. Non, mais jamais. Il y a plein de fois où tu crois faire une bonté alors que ce n'est pas une bonté émettre, c'est une bonté. Fausse. Oui, ils le savent. D'accord. Ils le savent qu'ils font une erreur. Non, des fois tu ne le sais pas. Des fois tu crois que tu. Ils sont bêtes, tu crois, des fois tu crois que la bonté, ça reste une bonté. D'accord. Des fois tu n'as pas envie de te mettre mal avec quelqu'un, ou tu n'as pas envie de. Tu n'as pas envie de d'histoire, ou tu n'as pas envie de dormir tranquille, hein, tu te débarrasses, quoi. Ouais, donc ils savent que c'est pas une bonté. Donc c'est pas forcément une bonté de Hémet, ce qu'il te dit. D'accord. Penelai vechoneni. Adresse-toi à moi. Vechoneni, aie pitié de moi. Tenauzecha leavdecha. Et montre ta force à ton serviteur. Tenauzecha leavdecha. Montre ta force à ton serviteur. Veoshia leven avatecha. Et délivre le fils de ta servante. Le roi David, il s'appelle comme ça, le fils de ta servante, parce que vous êtes au courant de cette histoire très... Quoi ? Très dramatique. Il y avait une histoire de... Comment il s'appelle ? Quand Shmuel Hanavi, il est venu après le... Après avoir rejeté dehors Shaoul HaMelech. Alors Shmuel HaNavi, il devait aller chez Ishaï chercher le nouveau roi. Alors le premier qui s'est présenté, c'était le fameux Eliav, le fils aîné de Ishaï. Et il a cru que c'était lui. Et c'est lui, et sûrement un grand, beau comme Shaoul. Et il a un dévoilement et Dieu lui dit non, c'est pas lui. Et comme ça, il passe tous les enfants de Ishaï, Aminadab, etc. Et à chaque fois, c'est pas ça. Et une fois qu'il a passé tout le monde en revue, il dit ben, c'est pourtant chez toi que le nouveau roi se trouve. Alors Ishaï dit ben, je sais pas, c'est toi le prophète, c'est pas moi. Alors il lui dit quoi, tu n'as pas un autre fils, c'est sûr que tu dois avoir un autre fils, puisque la prophétie m'a indiqué ta maison. Alors il dit, j'en ai un, mais c'est pas vraiment mon fils, quoi, c'est David. Alors, David, il était censé être le fils de la servante de Ishaï, une histoire louche, le rond de qui s'était trompé de femme, et lui il est né de ça. Donc il dit, le roi David, il te dit, je suis le fils de ta servante. Ah, il va voir. D'accord. Comment elle s'appelait, sa mère ? Je sais pas. C'est dynastie. Elle est marrante, ouais. Enfin, la seule question qu'elle pose, comment s'appelait sa mère ? Elle s'appelait Patricia. Non, il y a des tas de femmes dans le Tanakh dont on ne dit pas le nom, parce qu'elles sont une ségoula pour un certain... Un problème. Comme la mère de Abraham Avinu, elle est une ségoula quand vous êtes dans le bror. Vous avez un gros problème. Vous invoquez la mère de Abraham Avinu. Comment elle s'appelait ? Amtala Bat Karnebo. Ah oui, c'est vrai. Amtala Bat Karnebo. C'est quand on va dans un. C'était une sorcière. Elle avait tous les défauts du monde, cette dame. C'était la maman d'Abraham Avinu. Donc on parle de son père. D'accord ? On parle pas de sa mère. Et sa mère s'appelait Amtala Bat Karnebo. Et donc, elle m'a aussi toutes ces femmes un peu mises de côté sur la touche. C'est bizarre. Et elles sont une ségoula pour des tas de trucs. Ségoula dans un procès. Ouais, c'est ça.
Pourquoi? Parce que comme elle était tellement, tellement corrompue, d'accord? Elle était tellement corrompue comme femme. Ah bon? Donc automatiquement, quand tu vas invoquer son nom, le Bédine d'en haut, il dit quoi? Il y a cette personne qui a existé, et je vais faire du mal à cette pauvre personne maintenant, hein, qui est bien mieux. Alors donc, je vais fermer son dossier et je vais m'occuper de l'autre. Ah, donc, carrément. Ah oui, la femme, la maman d'Abraham, c'était... Ça veut dire qu'il s'occupe d'elle beaucoup. C'était pas... Je vous dis, si aujourd'hui, les psychiatres modernes, ils avaient pris Abraham Avinu, ils l'auraient interné jusqu'à la fin de ses jours. Avec le père et la mère qu'il avait. Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, même... C'est ce que je dis aux gens. Tous les gens qui disent toujours, ah, moi, je suis excusable parce que mon père et ma mère... Là, tu pourras pas avoir un père et une mère aussi pourris qu'Abraham Avinu. Et lui, il s'en est sorti, tout seul, sans psy. Alors peut-être que tu vas chercher, si tu es un peu intelligent, dans les textes des réactions d'Abraham Avinu qui montrent qu'il avait ce problème vis-à-vis de son père et de sa mère. Mais il n'en demeure pas moins qu'il n'a jamais dit dans la situation psychologique dans laquelle je me trouve, vous voudrez que j'avance dans la vie. Non, je resterai un alcoolique, un fumeur, un drogué, un truc. Non, il s'est pris en main. Il s'est pris en main, mais il a été gentil avec ses parents en plus, alors qu'il aurait pu les envoyer en prison. Quoi. Donc ça veut dire que donc David Améler aussi, c'était toute une histoire de une mère concubine de son père, un truc comme ça. Même le prophète, il n'a pas su qui c'était ce... Qu'est-ce que venait faire David dans cette sauce? Et donc c'est pour ça que David Améler, il dit toujours « Je suis le fils de ta servante », pour dire regarde le chemin que j'ai suivi, quoi. D'accord? Mais il s'adresse à Hachem quand il dit le fils de ta servante. Bah oui. Alors, donc c'est que cette personne-là, elle servait Hachem. Peut-être. Pourquoi? Non, d'accord. C'est pas fait qui. Non, on sait, je vous dis, je n'ai pas son nom en tête, on peut retrouver, c'est dans le Gemara, Baba Batra, là-bas. Mais peut-être bon, pas si mauvaise que ça, si elle servait Hachem. On va vérifier, quoi. Mais si elle est mise de côté, quand même, dans l'histoire. C'est qu'elle n'est pas si bien que ça. Sinon, elle serait connue, genre célèbre. Eh oui. Célèbre dans la Torah. Mais Kitsour. C'est tout le processus de grande Neshamot qu'elle vient toujours de milieux louches pour ne pas que les mauvaises forces s'appliquent. Ouais. D'accord. Assez imi ot le tova, et il dit fais-moi s'il te plaît un signe. Montre-moi un signe. Le Tova, que tu veux me faire du bien. D'accord? Mais même le roi David, il y a l'affût de signes. Les gens, ils cherchent toujours des signes. D'accord? En réalité, c'est pas toujours intelligent de chercher un signe. D'accord? Lui, là, il a demandé un hôte. C'est pas vraiment un signe superstitieux. D'accord? Ça peut être un signe dans le sens. Quelque chose qui confirme ce que je veux faire. C'est quoi Imi? Avec moi. Ah. Imi ou it is by. Ah. Imi. C'est la déclinaison du mot im. D'accord? Imi, c'est plus fort que it. Pourquoi vous riez? Et. À cause de iti. Et. Ça veut dire c'est le complément pour introduire, d'accord? Gabet et Amira et. Pour introduire en hébreu ancien, et. On met le mot et. C'est pour introduire le complément d'objet direct, d'accord? Donc, iti, ça veut dire accessoire à moi. Iti. Alors que imi, c'est avec moi. C'est la déclinaison de im, pas la déclinaison de et. Bon, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, en tous les cas, Imi, c'est plus fort que Iti. Imi, on ne l'utilise pas dans le
Pardon ? Imi, on l'utilise pas dans le langage. En hébreu moderne, non. Ça, si vous dites Imi, les gens ils vous disent qu'est-ce qu'il y a là. C'est ça. Tavo Iti, viens avec moi. Si vous dites Tavo Imi, ils vont dire. En quelle langue de Tanakh elle parle. Ce qui serait en réalité, ça serait plus logique. Ça dépend ce que vous dites à la personne. Vous avez compris? Vous n'allez pas dire à Imi, un directeur de banque, viens avec moi, il va être choqué, quoi. Si vous dites Imi. Alors d'abord, il dit, viens avec moi, c'est un truc de papier, quoi. Donc c'est pour ça que, comme l'hébreu moderne perd la sensibilité du Tanakh, alors des fois, il vaut mieux pas l'utiliser, quoi. De peur que vous fassiez des bontes. Oui, mais pour comprendre ce qu'on lit, quoi, c'est bien. Ah, quand vous lisez l'hébreu. Les tfilotes, des fois, il y a des mots. Ouais, c'est dans les tfilotes ou la Bible, c'est bien de connaître l'hébreu authentique. Mais c'est pas obligé de l'employer dans la rue, quoi. Au risque de vous faire passer pour quelqu'un de bizarre. D'illuminé. Donc il dit, Asse imi ot letova, fais-moi un signe de bonté. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis cette formule de chercher des signes, c'est pas n'importe qui a le droit de le faire. En règle générale, les gens, c'est des trucs de superstition, quoi. C'est les gens confondent le signe et la divination, le nichouche. D'accord? Il faut que le signe ait un rapport exact avec ce que l'on veut démontrer. Et pas qu'il soit hasardeux. S'il a le moindre côté hasardeux, ça s'appelle du nichouche. Ça s'appelle la divination, c'est interdit. Nichouche. Ah, les nachesh. Ouais, je sais pas, vous dites, cette mise-là ou j'y vais pas. Ben, tu sais quoi, je vais regarder par la fenêtre, si je vois une blonde qui passe, ben, j'y vais. Devinez, ouais. Quel rapport entre la blonde et la Brit Mila? Ah, tu m'aurais dit, si je vois un moël qui passe. Ouais, bien sûr, une chaise. Un moël qui passe dans la rue, ah, là j'aurais dit c'est vraiment un signe particulier. Ou si je vois une femme avec un bébé dans les bras, là je peux dire il y a un rapport avec la Brit Mila où je vais aller. Mais stable, quel rapport? Tu te dis je vois une blonde qui passe. Marrakechère. D'accord? Et ça je vous donne un exemple pour rigoler, mais la plupart des gens font ça dans la vie. Ils essayent de voir un signe comme David Améler, en fait c'est pas un signe du tout, c'est du nichouche. Dans leur tête folle, ils ont pensé que. Et c'est en réalité du nichouche. C'est-à-dire qu'ils passent du signe à quelque chose de rigoureusement interdit. Ah oui. Faire dépendre une chose d'un événement tout à fait fortuit. Ah oui. C'est des superstitions. Quoi. Donc lui, David, il dit je veux un signe, hot, pas un nichouche. D'accord? En plus, il faut être très méritant pour que Dieu vous envoie un signe. Ah, bien qui sûr. Tu es? Mais attends, qui tu es pour que Dieu t'envoie un signe? Tu as le libre arbitre pour savoir si tu vas faire la chose ou pas. Ah. Qui t'a dit que tu es suffisamment dans les bons papiers de Dieu pour qu'il t'envoie un signe? Myanmar. Tu ne verras pas de signe. Ouais. Toi et ta chance, toi et ta conscience. D'accord? Toute la vie, elle est faite de ce genre de trucs. D'accord? J'ai compris ça, j'ai vu ça, je garde Prati, ouais. Ils rentrent dans des films. Ouais. Ils se rendent dans des films où ils s'embrouillent puisqu'ils arrivent à résoudre des problèmes. Ouais. D'accord, donc c'est pour ça qu'il faut dire voilà, regardez David, lui-même il a demandé un signe. Oui, lui il a demandé un signe. D'abord il a demandé un hot, et c'était pas du nichouche. En plus, il a demandé un hot parce qu'il savait qu'il était
méritant pour en avoir un. D'accord. Veiru sonai veivoshu était mes ennemis verront veivoshu, ils auront honte. D'accord. Ils auront honte. Ils seront dans la honte de ce qu'ils m'ont fait. Donc c'est le meilleur signe que je puisse avoir, d'accord. Qui attache Hachem. Parce que toi, Azartani, tu m'as aidé, Venihamtani, et tu m'as consolé. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce mizmor P. Vav. Non. Si vous priez avec concentration, vous mettriez 4 heures, quoi. Si les gens y réfléchissaient à ce qu'ils disent, chaque fois qu'ils prient, pour les faire. Ils auraient. La matinée, ils passeraient complètement. Il y a un Egoun du Rabbi, là, dans ce Pérec-là. Pérec, wow, qu'est-ce qu'il a, le Pérec ? Il y a un Egoun du Rabbi, non ? Non. Pas spécialement. Bon, voilà. Après, on dit. Là, ce qu'on dit après, ça n'a rien à voir avec le Tachanoun ou pas Tachanoun. Même si c'est pas. C'est un jour, on dit pas Tachanoun, on dit quand même la suite. Bet Yaakov, Lechou, Velecha, Beor Hashem. Maison de Jacob. D'accord. Bet Yaakov, c'était les femmes, d'accord. Au matin, t'en rappelez. Bet Yaakov. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça, les écoles de filles. Mm-hmm. Bet Yaakov. Lechou venelcha, venons. Lechou venelcha, venons ensemble. Beor Hashem, à la lumière de Dieu. Bet Yaakov, lechou venelcha, beor Hashem. C'est un pasouk de Yishayahu. Bon, vous connaissez l'histoire du célèbre du sionisme. D'accord. Du sionisme ou le. Le rabbi Maharash, il était très influent en Biélorussie. La plupart des sionistes, ils venaient de Russie. D'accord ? Herzl. Comme Herzl, c'est un Allemand, un Autrichien. Vous avez raté le coche. Et lui, c'était pas un sioniste, c'était l'inventeur du sionisme. Qui, Herzl ? Ben oui, il est mort avant que ça commence. Mm-hmm. Et donc, Bekitso, en Russie, comme c'était l'endroit où les juifs souffraient le plus, donc c'était là qu'il y avait le plus de postulants à vouloir dégager et s'installer en Israël. D'accord. Mais c'était des sionistes communistes, quoi. Il y avait le vent du socialisme en Europe. Oui, évidemment, c'était les juifs surtout qui étaient dans ces trucs-là. Et donc, ils ont fait un mouvement qui s'appelait le Bilou. Un très grand mouvement. Il y a beaucoup de films là-dessus. Hein. Bilou, c'était les initiales de Bet Yaakov Lechou Velecha. Bilou. Alors, les directeurs du Bilou, ils sont venus voir le Rabbi Maharash et ils ont dit, écoute, on veut que tu nous apportes ton soutien. Lechou Velecha. Tu lui apportes ton soutien pour se faire ce. Pour que des gens partent en Israël. On va faire là-bas des. Avant les kibbutzim, avant ce qu'allait être des kibbutzim, ce qu'allait être un truc socialiste. Quoi. Et lui, il leur a demandé c'est quoi les initiales de Bilou ? Alors ils ont dit ben, c'est Bet Yaakov, le Chouvel Elcha. Alors il aurait dit, attends, mais vous êtes gentil, mais le verset, il finit par le Rab Bet Yaakov et le Rab Beor Hashem, à la lumière de Dieu. Alors il a dit, si vous rajoutez le mot Beor Hashem, je mobilise tous les juifs de Biélorussie pour partir en Palestine. Ah, ils ont dit, non, Beor Hashem, il n'en est pas question. Alors il dit, non seulement, comme il n'en est pas question, non seulement je ne vais pas vous aider, mais je vais vous faire la guerre. Donc c'était une des passages du sionisme
socialiste, quoi, qui était le sionisme sans Torah, quoi, qui tournait le dos. D'accord ? Donc c'était au siècle, à la fin du 19e siècle. Ça n'a pas de sens. À la fin, au temps du Rabbi Maharash. Pardon ? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens quoi ? Ça n'a pas de sens. C'est pourtant ça qui a... C'est pourtant lui qui dirige tout jusqu'à maintenant. Ouais, ça n'a pas de sens. C'est le sionisme tente sans Torah, c'est lui qui a mobilisé tous les juifs du monde. Non, mais ceux qui le faisaient avec la Torah, c'était vraiment comme du sel et du poivre au-dessus. Ça existe, tous les juifs, surtout les Sfarades qui sont des naïfs, ils ont toujours cru que le sionisme, c'était évident qu'il y avait la Torah avec. Il y avait plein de Sfarades qui se sont inscrits au Bilou. Ils comprenaient rien à la problématique. Ils disaient, bon, sûrement, si c'est du sionisme, ça peut être qu'avec le judaïsme, Amarazir, le Shrinato, le sion. Alors vous vous dites, ça n'a pas de sens, parce que maintenant, vous êtes à la fin du film. Mais à l'époque, c'était évident que tout le monde était pour, même s'il n'y avait pas la Torah. Pour avoir un État dire aux Goïm ça suffit, etc. C'était évident. C'est un des phénomènes les plus puissants qu'il y a eu en Europe. Vous dites, maintenant vous connaissez la fin du film, vous pouvez parler comme ça. On n'est pas encore à la fin du film, parce qu'on en parle dedans finalement. Ah ben non, maintenant, en Israël, pourquoi il y a encore plein maintenant. Mais voyez bien pour toi qu'il y a. Les Totsaot du sionisme, ils sont. Tous les gens qui dirigent ce pays, ils sont sans Torah, ils sont contre la Torah, et c'est quand même eux qui font la pluie et le beau temps jour et nuit. C'est pour ça qu'ils sont insensés. Ils sont insensés, mais. Oui, mais ils sont dangereux parce qu'ils nous font du mal. Voilà. Donc, que vous soyez. Que vous ayez un beau discours, que sans Torah, ça ne tient pas la route, ça, pourtant, ça a marché pendant 100 ans. Ah oui. Mais qu'ils sont, et comme disent les Itaïm, ils disent, nous, dans nos yeshivotes, déjà, ils sont partis pour être communistes. Alors, dans les yeshivotes racidiques, ils ont quitté le judaïsme, mais au moins, ils sont sionistes. Au moins, ils ont été sionistes. Donc, il y avait au moins ça. La terre, quoi. Ils avaient l'amour de la terre en marche, ou ils ont... Ouais, ben oui. Oui, bien sûr. L'amour de la terre, l'amour du comment on appelle ça, la fratrie. Toubishvat, c'est eux qui ont renouvelé ce truc de Toubishvat en Israël. Avec le KKL. Avec le KKL et compagnie. Pardon ? Non, parce qu'on dit qu'il y en a qui ont été prêts à aller en Ouganda, c'est pas vrai. Ça a duré un rêve, le coup de l'Ouganda. C'était une tentative. Ça a pas pris pour eux que ce soit en Israël. Ben oui, mais vous voyez bien qu'il y a quand même des cas d'état de preuve que c'était dans le projet divin, tout ça. Kikol amim yelchou ish beshem Elohav, parce que tous les peuples marcheront chacun avec son Dieu. Vanachnou leler beshem Hashem, et nous les irons au nom de Dieu Elokeinu l'olam vaed. Donc vous voyez que le truc du bilou, c'était ça, c'est le programme. Voilà, et ça on le dit. Cette phrase-là, c'est de Yeshaya, où on le dit, même si on ne dit pas Tachanou, c'est un jour de Chol. Voilà. Pas de questions ? Pas de questions. Le problème, c'est qu'on ne peut rien faire contre